À l'occasion de l'anniversaire de la Révolution, du roi et du peuple, Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à 685 personnes, dont certaines sont en détention et d'autres en liberté, condamnées par différents tribunaux du royaume. C'est ce qu'annonce le ministère de la Justice dans un communiqué. Et en cette même glorieuse occasion nationale, Sa Majesté le roi a bien voulu également accorder sa grâce à 4831 personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis, remplissant les conditions requises pour bénéficier de la grâce. Ainsi, outre ces aspects humains, cette haute sollicitude royale permettra aux bénéficiaires de cette grâce de s'intégrer dans la nouvelle stratégie dans laquelle se sont engagées les provinces concernées suite à la création de l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis et dans l'impact structurant de son activité au niveau économique et social, à travers notamment l'industrialisation, la transformation, l'export du cannabis et l'importation de ses produits à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles, ainsi que sa contribution au développement des cultures alternatives et des activités non agricoles.